Je crois que j'ai un problème. Et mon problème, bah, c'est ça, mon téléphone. Par jour, en moyenne, je passe 7 à 8 heures dessus. Je pense que j'ai vraiment un souci à ce niveau-là. Et qu'il serait temps de faire quelque chose pour réduire ma consommation, mais la réduire vraiment drastiquement. La littérature scientifique est assez unanime à montrer que, bah, que ça pose des problèmes. Ce qui est problématique, c'est est-ce que vous décidez de vos usages ou est-ce que c'est des notifications qui viennent vous inciter, vous séduire ? Salut, ça va ? Ouais, ça. Qu'est-ce que vous me réservez ? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Défi numéro 1, tu dois retrouver la rue Crémieux dans le 12e arrondissement, PS. Cette rue est la plus instagrammable de Paris. Tant pis pour toi. Bon, bah sympa les gars. Écoutez, on va y aller nous, hein. Salut. Ok, donc là, je vais prendre la ligne 9 parce que c'est la seule qu'il y a ici. Le problème, c'est qu'après, je sais vraiment pas comment aller dans la rue Crémieux. Donc on va voir, on va aviser, on va trouver. Let's go. Je crois le mieux en vrai c'est de prendre la 9 jusqu'à Roosevelt et de descendre à Gare de Lyon et on verra dans le coin. Hein. 9, 10, 11, 12. J'ai 12 stations, j'ai pas de musique. J'ai même pas fini mon chapitre, c'est une horreur. Ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on va prendre la ligne 1 jusqu'à Gare de Lyon, comme ça on est dans le 12e. On va assurer et après on va chercher à tâtons. À tâtons, c'est ça. On va prendre la 4 et on va voir ce que ça donne. Je sais pas. J'ai trouvé la sortie déjà, c'est pas mal, non ? Si mes souvenirs sont bons, par là, il y a la 8 et le Drouet Rollin, du coup, faut plus aller par là-bas. Ok, on va tenter par là-bas. Tellement nul. En vrai, je suis vraiment genre incapable de me déplacer sur mon téléphone. Mais vraiment. A few moments later. Je suis perdu. Mais putain. En fait, on a vraiment pas bougé. Genre, on est arrivé là tout à l'heure. 2 hours later. Elle est par là. Je dois prendre la rue qui est là. La grande rue. Mais elle est par là. Rue demandée. Ah, redemandée. Ben, redemandée. D'accord. Que moi, je crois qu'elle est vraiment juste là. C'est un échec si elle est pas là, je tiens à le dire. Si elle est pas là, c'est un échec, mais je pense qu'elle est juste là. C'est pas celle-là. Si elle est pas là, c'est un échec. Ah, mais elle est là. Yes. Ah, je savais qu'elle était pas loin. C'était facile, hein. Franchement, c'était facile. Je vais prendre une photo avec des gens, hein. I can't use my phone for 24 hours today. And I had one challenge is to find this street. But I can't take a picture. I just want to ask you if you can take a picture of me or take a picture with me in this street. C'est pas mon téléphone. C'est juste pour envoyer une photo. C'est pas mon téléphone. Je fais que envoyer la photo. Thank you. You saved my life. Goodbye. J'ai réussi. Bon, le défi est relevé. C'est terminé, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Ah. Ok, bon bah visiblement c'est pas terminé. Je crois que je vous déteste. Tu dois ouvrir ta boîte mail, tu y trouveras le défi numéro 3. Vu que j'ai pas de téléphone pour regarder mes mails, on va essayer de se trouver une connexion internet et je pense que on va essayer de se trouver un petit cybercafé. Ce sera pas mal. Je sais pas où y aller, je pense qu'il y en a pas mal dans le coin vu qu'on est pas loin d'une gare. On va aller trouver ça. Let's go. Later that same evening. Bonjour madame. Sachez que c'est la première fois que je mets les pieds dans un cybercafé. Du coup, comme le défi numéro 2 c'était d'aller checker mes mails puisque le défi numéro 3 s'y trouve, ce que je vais faire c'est que je vais profiter de cet accès momentané à internet que j'ai pour aller checker mes mails professionnels et personnels. Donc c'est parti.
coup. C'est un mail d'un pote à moi qui s'appelle Charles. Salut Florian, je n'arrive pas à te joindre, tu peux me rappeler, t'es chaud pour aller voir un verre ce soir. Le délire, c'est que je n'ai pas le... Tu peux répondre ou pas? Non. Je peux pas répondre. Bon, bah, vu que je peux pas répondre, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez lui maintenant. C'est la seule solution. Heureusement, je sais où il habite et je sais à peu près me repérer. Cette fois, ça devrait pas prendre trop de temps. 3 weeks later. Allô? Allô? Ça va, tu m'entends? Ah, super. C'est Florian, j'ai reçu ton mail. Tu veux qu'on aille boire un verre? Allez, go, je t'attends. Ça va? Ça va. La forme? Bon, bah, go. Allez, c'est parti. Allez.